Bonjour à vous, c'est Gunshow de la FMS Team. Aujourd'hui, je suis de retour un peu sur Infestation Survivor Story. Enfin, en gros, l'infestation de l'histoire où on survit, quoi. Enfin, je crois en gros, ou c'est l'inverse, je sais pas. En français, je crois que ça donnerait ça. Donc voilà. Des news maintenant. Maintenant que. Franchement, j'ai un nouveau écran donc je vais faire 1900 par 1080p. Donc ça va le faire. On trouve un petit serveur pas trop rempli. Et croisons les doigts pour une bonne connexion sur le serveur. Et je sais pas si vous avez vu les news, mais je pense bien. Vu que vous jouez à ce jeu, pour certains, il y a la nouvelle map qui devrait bientôt arriver, et franchement, elle a l'air pas mal. Et des ajouts et tout, qui sera bien. Et après, par la suite, ce sera vraiment très cool s'ils peuvent remettre les véhicules. Enfin, ça fera moins râler les personnes, comment dire, qu'ils aiment pas parcher. Sans merde du temps. Tiens, ce serait bien qu'ils pourraient mettre des serveurs en France. Du jeu comme ça au moins dans chaque pays, au moins comme ça au moins ça ferait, les chargements seront plus courts et on aura un meilleur ping peut-être. Après pour les ouais, frappe pas image FPS quoi. C'est lié à votre PC donc râlez pas trop si vous laguez en même temps. Ce jeu n'est pas conçu pour aller sur des PC portables normalement, enfin normalement, peut-être avant un petit peu mais plus maintenant. Donc si vous avez un petit PC, ça sert à rien d'y jouer dessus. Vaut mieux que vous ayez un PC tour bien monté, ça peut faire la différence. Il fait nuit et je n'ai rien. Ok, et j'ai du lag. Bon, on sautait à côté là. FPS de ouf. Il jongle entre 9 et 15. Et je sais pas pour vous, mais maintenant c'est plus 5 points d'XP qu'on gagne, c'est 10 points. Ils sont gentils.
Bah, comme vous voyez, je suis à Campos City. Ça reste toujours aussi beau, même s'il fait nuit. Bon, j'espère que la vidéo, on la verra bien. On va mettre un peu de lumière. Et je sais pas pour vous, mais l'annonce des grenades, ça fait un ouf et un danger. Bon, apparemment, là, il y a eu un bug de fichage. Sauter par là, ok. Ouais, combien on est? On est 11, enfin 12. Sombre. Hein. On m'a vu ou pas? Une fricassée de zombies. Je crois que j'ai déjà mangé sur moi. Une petite gorgée. Un litre. Ah non. Un peu trop lourd. Vu que j'ai un petit sec, ça peut pas le faire. En même temps, qu'est-ce que j'ai sur moi? Ouais, ça doit le faire. Des paquets de chips. Youpi! Mais les paquets de chips, je suis vernis, quoi. J'espère qu'ils vont pas attaquer un humain juste avec une batte de baseball en métal quand même. Ça ferait un peu mal. Qu'on est passé à 15. Avec ces 10 points d'expérience, on va pouvoir monter plus facilement, enfin du moins. Bon, certes, il faut un peu fermer, mais bon, ça peut le faire. Je crois qu'il y a un zombie qui est rentré, bien sûr. Hop. Putain, et que dalle. Il y en a qui est passé avant moi. Vu que j'ai encore ma santé, apparemment je suis vers 10 fps, j'ai un peu moins de lag. Pour info, je suis en 1120 par 1080p, je crois, ouais, c'est ça, donc ça devrait le faire. Et je suis en normal en graphique. Oh.
pas trop rapide cette batte pour tuer. Quand on parle d'une batte, une autre batte, mais en bois. Waouh, depuis quand il y a des zombies derrière là? Avec mon lex. En pleine nuit et un petit lag au mauvais moment. Ok, deux zombies. Un par un, ce serait bien. Son quand on marche sur enfin du béton, enfin un sol bétonné quoi. Ce sera mieux que ça, je me ferai moins repérer. Ok, tu veux jeter gros, t'es dehors. Vous pouvez voir, ça lag un petit peu, mais c'est passable. Si je passe par là, je vais me faire envers pas zombie. Enfin, je suis déjà passé par là en pleine nuit. Et malheur moi, mais trop de zombies, donc j'ai dû courir. Mais là, avec un FPS de 7, ça va être dur. La petite astuce, si vous voyez des zombies par terre, donnez un coup dans le vide. Ça peut qu'on dire les réveiller brusquement comme ça. Au dernier moment, ils se lèveront pas pour se ruer sur vous. Comme il y a les 10 points en plus, je vais donner un cœur joie à tuer des zombies. Enfin, s'il veut bien mourir. Info pour tuer le zombie plus rapidement, viser, enfin du moins essayer de mettre je sais pas la tête vers le haut et viser la tête. Vous, on sait jamais, il peut avoir quelque chose ou quelqu'un ou des sous par terre, ça peut arriver. Ok, petit bug. Lol.
j'espère qu'il y aura personne au grand market. Waouh. Toi, t'as une voix grave, toi. D'où est sorti celui-là? J'attends, je l'ai entendu au dernier moment. OMG quoi. Heureusement je me suis retourné. Bon. Ok. Reculer pour faire, enfin quand vous êtes à plusieurs, il y a plusieurs zombies sur vous, reculer et comment dire quand j'ai fait quoi. Reculer et voilà, et après prier pour votre chance, esquiver les attaques. Ouais, c'est comme dans tout jeu vidéo FPS quoi. Ou RPG. Enfin, plutôt RPG parce que moi, RPG, il n'y a pas vraiment ce système d'escape quoi. Ça aussi, vous sortez de la zone de l'attaque. Bouge pas toi. Rien sur le côté. Et seulement une zombinette. Quelque chose manger mais il y a rien zombie. Mais ce qui serait ouf c'est qu'il rajoute le temps dans le jeu mais bon. Et bon plus de soleil ou je sais pas ou moins de nu plus, ouais, plus de nuages. Un peu de pluie. Les journées trop ensoleillées. Où il faut rester dans des bâtiments pour pas subir des dommages du soleil. Alors, ça m'a l'air vide. Ah, c'est quoi ça? Une fusée éclairante, youpi. Je vais pouvoir alerter tout le voisinage. Et le soda. Conserve de soupe. Pour info, ça donne, redonne de, à manger et un HP modéré, enfin un petit HP quoi. Ah, je sais que de plein. Qu'est-ce que j'ai? On va dire, on voit ça, tiens. Hop. Ah, le crocro, franchement, ça aussi ça donne la santé. Donc si on trouvait c'est assez rare, enfin certainement c'était assez rare. Donc comme vous pouvez voir, ça redonne de la santé et de l'eau. Apparemment dans la prochaine mise à jour, les flares et enfin tout ce qui est éclairant, ça va attirer les zombies. Là où ça tombera, donc ça va être un bon truc. Enfin du moins si vous voyez, je sais pas, un mec courir ou je sais pas, ou que vous avez un gros problème, il est en train de vous poursuivre. Vous mettez un bon petit flair ou un petit coup de torche là. Ça devra tous ces aggros pour les envoyer sur la personne.
personne qui est à côté, quoi. Et ça, c'est vraiment... Bon, après, j'espère que les grenades... enfin, des grenades offensives... J'espère que ce sera ça qui en envoie et ça désingue soit une zone prédéfinie. Ce serait vraiment cool. Et que ça tue les zombies, surtout. Que ça tue pas que les humains. Apparemment, il y a un truc là sur la voiture de flic. Tu vas être un bandage. Et un zombie en moins. Aucun sou. C'est un peu radin en ce moment là. Dans des précédentes vidéos, normalement, je vous montre était chaud quand on peut looter des 1000 dollars. Ouais, c'était nickel, marche bien. Zombies. Au moins ici, non, il n'y a aucun zombie, enfin, théoriquement. Je sais pas pour vous, mais le jeu était vraiment très amélioré, donc dites pas qu'il faut rien, qu'il se tourne les pouces et tout. Hammer Point, ils essaient vraiment de développer le jeu, même s'il y a des retards. C'est une petite boîte, pas une grande. Faut pas qu'on... Enfin... à comparer avec je sais pas Origin ou enfin The Games ou Square Enix par exemple. Voilà. Donc pour cette vidéo de la redécouverte du jeu, enfin du nom, et un peu voir les améliorations et parler des nouvelles mises à jour à venir. Donc sur ce, à bientôt, c'était Gunshow de la Fameuse Team. Bye.